Aujourd'hui, ils sont parmi nous, car c'est à eux que nous pensons à travers cette croix. Je t'appelle, soldat, victime de France ou d'Allemagne, et je t'apporte cette croix en tant que témoignage en l'honneur de votre mémoire. Mais pour nous, comme un don. Vous, les vivants, écoutez. Éclat d'obus, défrayant des funestes puissances, ici avait semé la mort. Éclat, dans la croix salvatrice, gardez-nous des affres de la guerre. Toi qui vis à de nouveaux buts, souviens-toi des morts, des soldats ici tombés. À qui demande, qu'en est-il advenu? Ces morts proclament, sauvegardez la paix. Aus Ormersviller und der evangelische Pfarrer aus Vanberg. Bénédiction de la Croix par Monsieur le Curé de Ormersviller et également celui de Vanberg. La grâce de Jésus notre Seigneur, qui pour nous a été cloué sur la croix, soit toujours avec vous. Cette croix, mes chers amis, peut être le symbole de l'entente entre nos deux peuples. Et c'est un symbole extraordinairement parlant, car cette croix est faite avec des éléments de mort dont le but était de tuer, mais qui maintenant soudés en forme de croix sont devenus source de vie. Car pour le chrétien, la croix est plus qu'un symbole, elle est l'instrument du salut. Lorsque nous regardons la croix, nous sommes invités à nous souvenir de quel amour le Christ a aimé l'humanité, puisque par elle, il est entré dans la mort par la croix. En saluant la croix, nous voulons nous souvenir que le Christ, en entrant dans la mort par la croix, a voulu que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Et il a voulu que cette vie se manifeste par l'unité des esprits et des cœurs. Au moment où nous allons bénir cette croix, il faut que ce soit notre conviction que nous sommes les disciples d'un maître crucifié et que la véritable manière de le suivre, c'est de porter chaque jour avec un cœur serein notre propre croix. Alors se réalise ce que les anciens exprimaient par cette belle formule, per crucem ad lucem, par la croix, nous arrivons à la lumière. Unser Treffen hier auf dem Berg an der Josefskapelle will durch die Weihe des Spitzerkreuzes das Zeugnis sein von unserem Friedens- und Freundschaftswillen
zwischen uns Grenzmenschen von hüben und von drüben. In der Stunde, in der der Heiland in den Tod trat, hing er am Kreuz und hat die Menschheit mit seinem himmlischen Vater versöhnt. Möge dieses Kreuz an unserer Josefskapelle und jedes Kreuz überhaupt uns helfen. Da, wo wir stehen, Friedensmenschen zu sein, von Haus zu Haus, von Straße zu Straße, von Dorf zu Dorf, von Land zu Land. Möge das Kreuz uns auch die Kraft geben, Tag für Tag unser eigenes Kreuz zu tragen, auf dem Weg des Evangeliums zu wandeln und so zur ewigen Seligkeit gelangen. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Toi qui as souffert pour nous sur la croix, Christ eleison. Souviens-toi quand tu entreras dans ton royaume. Kyrie eleison. Seigneur, et que par elle descende sur nous toute grâce. Nous bénissons cette croix qui est un objet fabriqué de main d'homme, mais qui nous porte à élever notre regard vers toi, le Dieu de paix et d'amour. Cette croix au mur de cette chapelle fasse que ce lieu de rencontre, encore plus que par le passé, un site d'amitié et de fraternité, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Ô Gott, allmächtiger Vater, du hast gewollt, dass das Kreuz deines Sohnes die Quelle jeglichen Gutes sei, dass durch das Kreuz alle Gnade auf uns Menschen herabsteige.